Bonsoir, et bien là nous sommes en pleine soirée, hein, première inauguration de ce premier festival. Ça se passe plutôt bien, il faut bien le dire, avec plein de monde et puis une ambiance comme je la voulais en fait. C'était une soirée fête avec plein de choses différentes. De quoi boire et manger bien sûr, de quoi se rassembler, discuter entre gens, croiser des gens. Et puis que des spectacles de qualité, vraiment. Vraiment des bons musiciens comme on a vu au démarrage, Alma Dili, un groupe tzigane qui ont mis vraiment l'ambiance et des super musiciens très rythmiques et tout ça. Après on a un très joli spectacle, on a vu de clowns, jonglage et dressage de chiens. Et ça va finir par un petit orchestre de bal, là, de poche. Ils font des reprises super à deux, très originales et ils font danser les gens parce que tout le monde connaît les airs, la musique et c'est très chaleureux. Voilà, quelque chose de chaleureux, festif et puis pointu quoi, avec des bons artistes quoi, qui tiennent le parquet quoi. Le festival Bréhon, ça va se dérouler sur tout le mois de mars. C'est un festival qui va donc avoir lieu les vendredis soir, samedi soir, dimanche en après-midi, sur trois spectacles différents qui vont se jouer à plusieurs reprises et qui sont destinés à tout public, aussi bien les adultes que les enfants. Donc en l'occurrence, premier spectacle, entrée, vous verrez, un spectacle haut en couleur. Un autre spectacle donc, qui circule, qui s'adresse plus particulièrement aux enfants, mais qui s'adresse également aux grands enfants que nous sommes. Et puis un spectacle qui s'appelle Music Hall, qui est répété depuis pas mal de temps par les amateurs du territoire. Une trentaine d'amateurs qui vont se produire donc à plusieurs reprises, fin mars, jusqu'au 1er avril. Eh bien écoutez, pour moi le Festival Bréhon représente un peu comme le point d'orgue de l'action de la troupe en résidence. Et ce soir, vous avez devant vous un président de communauté de communes heureux parce que j'ai senti là une chaleur humaine, une convivialité, une proximité qui je crois devrait toujours exister dans les rapports au sein de la communauté. L'action culturelle que nous portons est une action forte, qui s'amplifie au fil du temps, au fil aussi de nos moyens, avec une volonté affichée de notre vice-président, de moi-même et de la majorité de l'équipe pour apporter justement une action culturelle sur notre territoire.